Bonjour les amis, eh bien j'ai envie pour cette semaine de prendre l'oracle de l'âme. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris depuis que j'avais fait l'interview de Stéphane Cuchy, donc l'auteur et créateur de ce bel oracle. Alors, on va regarder ce qui va se passer cette semaine. J'ai envie de prendre trois cartes. Et on va prendre aussi l'oracle de l'intuition pour évaluer, voir ce qui va se passer, tout simplement. On va regarder ce qui va se passer avec l'oracle de l'intuition. Une, deux, trois. Donc, hop. L'oracle de l'intuition, donc cette semaine pour toi, qu'est-ce qui va se passer? J'espère que vous allez bien. Donc vous pour vous procurer le jeu de Stéphane, vous allez sur sa page, sur son site internet, sur sa boutique en ligne plutôt. Je vous mettrai le lien en description. Alors, on a... la nouvelle, on va commencer cette semaine par une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'épanouissement, parce que la rosace là qu'on faisait quand j'étais petite avec le compas, ce fameux compas dont on se sert quand on est à l'école et qu'on ne se sert plus jamais quand on est grand. Hein. Donc l'épanouissement, la nouvelle, l'épanouissement, on va avoir une nouvelle qui va nous permettre de nous épanouir et en plus de nous épanouir dans l'abondance. Donc, merci, j'ai envie de dire, à cet oracle parce que c'était les nouvelles qu'on voulait avoir. La nouvelle, c'était les nouvelles qu'on voulait avoir. La nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'on va s'épanouir dans l'abondance. L'oracle de l'intuition nous parle de printemps. Donc, les énergies du printemps, c'est justement le renouveau. Hein, on attend une bonne nouvelle pour avoir un renouveau, un regain de renouveau. Peut-être que vous attendez une lettre, une nouvelle, pour un nouveau travail, pour un nouveau logement, pour un nouveau... quelque chose de nouveau va arriver par courrier, d'accord? Courrier ou courrier électronique, hein, d'accord? Là, c'est une boîte à lettres, mais ça peut être un mail, ça peut être un SMS, ça peut être... bon, d'accord? On va avoir des nouvelles qui vont nous apporter un renouveau. Là, on était un peu embêté parce qu'on a l'épanouissement, mais quand même, dans notre épanouissement, parfois, il y a des obstacles. Alors, on va recouvrir cette carte, d'accord, avec l'oracle des symboles de vie. Et là, on va avoir de l'abondance cet hiver. C'est-à-dire que on va avoir des bonnes nouvelles qui vont nous permettre de nous épanouir. Il y aura des obstacles parce que tout n'est pas rose dans la vie. Et cet hiver, on va récolter les fruits de ce qu'on aura semé. Alors, l'oracle des symboles de vie, on va recouvrir la carte obstacle avec une carte. Alors, je me concentre et je prends la 3. 1, 2 et 3. Voilà, les obstacles, c'est incroyable. Merci aux archanges et aux guides de me donner les cartes. Je suis accompagnée cette semaine de l'archange Sandalphon qui nous demande d'écrire justement nos projets, d'écrire des lettres, d'écrire nos objectifs, de faire un bilan écrit de l'année écoulée ou des 6 derniers mois écoulés. Vous voyez, c'est important de faire un bilan écrit. Voilà. Donc, il va y avoir des déblocages d'obstacles et justement, cela va vous permettre un meilleur épanouissement. Et cet hiver, eh bien, cet hiver, il y aura de l'argent, ne vous inquiétez pas, d'accord? Alors, on ne va pas aller plus loin dans ce tirage parce que vraiment, on a quand même la bonne nouvelle, l'épanouissement, la bonne nouvelle qui va nous apporter un renouveau, l'épanouissement avec des obstacles mais qui vont être débloqués parce qu'on a vraiment le déblocage, l'abondance cet hiver. Bon, on va demander une réponse angélique, donc on va poser la question. Je vous invite à fermer les yeux.
à prendre une grande inspiration. Et de poser une question. Et là, je me concentre. Et on va voir une réponse angélique. Hop. Alors, je me concentre. Et moi, je voudrais aussi, je joue avec vous, je pose la question aussi pour moi. Je choisis ou je prends la 23. Bon, je prends la 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alors, c'est très bien puisque c'est ce que je conseille tout le temps, hein, cette chaîne. Et pour ça aussi, la méditation apporte des réponses. Donc, ne vous angoissez pas si vous attendez une nouvelle pour justement un renouveau. Méditez et demandez à l'univers. Vraiment, la méditation, peut-être faire une vidéo pour ça, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Hein. La méditation, la loi de l'attraction. La méditation est importante dans la loi d'attraction pour faire des demandes à l'univers. Donc, la méditation vous apporte aussi des réponses. On peut faire des demandes à l'univers et on peut aussi se mettre en méditation pour avoir des réponses. D'accord ? Donc, si vous attendiez des réponses par rapport à un blocage, un obstacle, sachez qu'il va être débloqué, que vous allez vous allez être débloqué et vous allez vous épanouir. Voilà les amis. Et au niveau spirituel, tiens, on va prendre une petite carte de l'archange Michael. Alors je prends la 8. J'ai mélangé, mais je prends la 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Liberté. C'est ce qu'on rêve tous. C'est ce dont on rêve tous. Donc, liberté, je vous lis la carte. Ne faites pas seulement ouvrir vos ailes. Laissez-vous porter par le souffle de l'Éternel qui vous mènera sur votre route. Abandonnez-vous à la confiance et ne vous abreuvez pas de paroles négatives des autres. Vous êtes le maître de votre vie. Personne ne peut dire le contraire. Il est temps de modifier votre existence. Donc, je vous remontre cette belle carte, liberté. Je vous invite à faire un bilan écrit, donc l'archange Sandalphon qui est avec moi depuis ce matin, nous invite à faire un bilan écrit sur notre année passée, ou si vous n'avez pas fait de bilan au mois d'août, eh bien pour les 6 premiers mois, eh bien vous pouvez faire le bilan. Si vous avez fait un bilan au mois d'août, pour les 6 premiers mois, vous faites un bilan pour les 6 derniers mois. Sinon, vous faites un bilan complet de l'année. Et vraiment, vous allez pouvoir, en mettant par écrit des choses... C'est important. Et là, vous allez cette semaine recevoir une bonne nouvelle, pouvoir débloquer des obstacles, l'épanouissement et l'abondance. Donc, c'est vrai que quand on a un peu d'argent, eh bien, on est épanoui, hein, tout simplement. Pour certains, vous allez trouver un travail, retrouver un travail où il va y avoir des situations débloquées. Voilà les amis, je remercie les guides, les anges et les archanges. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.